Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au niveau du titre, il y a Microsoft qui a annoncé aujourd'hui qu'il s'est associé à Barclays pour créer la Xbox Mastercard, qui est une toute nouvelle carte de crédit qui sera lancée pour les insiders le 21 septembre et pour tout le monde aux États-Unis, donc en 2024. Cette carte, qui sera exclusive aux 50 États-Unis, permettra aux utilisateurs de gagner des points pour tous les jeux Xbox et les extensions en fonction de leurs achats. Par exemple, tout ce qui concerne des achats sur Xbox, Microsoft Store, vous aurez 5 fois de points de carte sur les produits éligibles sur le store. Tout ce qui est service de streaming, vous aurez 3 fois points de carte sur les services, donc notamment Netflix et Disney. Tout ce qui est service de livraison de repas, vous aurez 3 fois points de carte sur les services. Par exemple, bon, là-bas ils ont DoorCash, Grubhub, peut-être ici Deliveroo, Uber Eats, voilà. Et au niveau des achats quotidiens, ça sera un point de carte sur tous les autres achats, voilà. Maintenant, en plus de cela, les titulaires vont bénéficier de divers avantages, notamment 5000 points de carte qui ont une valeur, c'est-à-dire c'est une valeur de $50 après leurs premiers achats. Il y aura 3 mois de Game Pass Ultimate pour les nouveaux membres, et si vous êtes déjà membre, vous pourrez du coup partager cela avec vos proches, voilà, qui ne sont pas encore membres Ultimate, membres Xbox Game Pass, voilà. On a donc un peu plus d'informations sur la carte Xbox Mastercard directement de l'équipe Xbox. Ils disent: nous savons que les joueurs sont intéressés à obtenir plus de valeur de Xbox, et nous avons entendu les commentaires de la communauté selon lesquels ils veulent plus de moyens d'obtenir de la valeur de leurs achats. Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer que nous lançons Xbox Mastercard sans frais annuels en partenariat avec Barclays US Consumer Bank, l'un des principaux émetteurs de cartes de crédit remarqués aux États-Unis. Avec la carte du crédit Xbox Mastercard, les joueurs peuvent gagner des points de carte avec les achats quotidiens à échanger sur des jeux et des extensions à Xbox.com. La Xbox Mastercard sera disponible exclusivement pour les Xbox Insider dans les 50 États-Unis à partir du 21 septembre, avec une disponibilité pour tous les joueurs Xbox dans les 50 États-Unis à partir de 2024. Voilà, comme ça a été mentionné, donc c'est exclusif aux États-Unis, évidemment chez Barclays, ça veut dire qu'il va falloir ouvrir un compte pour obtenir ces cartes-là et avoir les avantages. Alors ici en Europe, je ne sais pas si Barclays a un partenaire ou bien une filiale, et peut-être grâce à ça, on pourra avoir des cartes Xbox Mastercard, ou peut-être que Microsoft va essayer d'avoir un partenariat avec une banque ici en France, je sais pas, LCL, BNP Paribas, Société Générale, voilà, ou la Caisse d'Épargne, en tout cas les banques ici, et comme ça on pourra en bénéficier. Alors, petite info aussi importante, c'est que les points au niveau de ces cartes là sont indépendants des points rewards, ça n'a vraiment rien à voir. Voilà. Donc quand vous allez effectuer des achats, imaginez un service de streaming, service de streaming notamment Netflix, Disney+, à chaque fois vous allez juste continuer à gagner des points. Voilà, si vous passez par des Deliveroo ou Uber Eats, les jeux que vous achetez sur le store, tous les achats que vous allez effectuer, en tout cas, je pense que Microsoft fera d'autres ils vont essayer d'avoir d'autres partenaires, et donc à chaque fois que vous allez faire des achats avec ces cartes-là, vous aurez des points que vous allez pouvoir échanger, voilà, sur le store, et je trouve que c'est vraiment pratique. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant. J'espère que ça va pas rester genre juste aux États-Unis et que Microsoft va essayer d'avoir des partenariats un peu partout quand même. Wally Walou, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus, des likes, c'est gratuit. Et ça permet, voilà, de faire avancer la chaîne. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!